Bon bah ben, Ice Théo. Je vais juste changer d'arme. Je vais le tenter au hammer. Là j'abandonnerai assez. Si je vois que ça va mal, j'abandonnerai assez vite la quête par contre. Je vais pas essayer pendant plus de 10 minutes. Parce que je me souviens que lui c'était super important de mémoriser d'avoir les bons timings. Enfin, surtout en gérant, que là j'y suis pas encore. Merde, c'est où? Ah, ici. Yep. Et après lui, on aura l'urgente. L'urgente, je pense, ça va être Audi. HR6, ce sera sûrement du suprématie. Ce qui risque d'être un très léger problème pour moi. Tant qu'il n'y a pas la quête cancer. Oh, la zone secrète de la montagne. Tant qu'il n'y a pas la zone. Le monstre cancer de MH à affronter, ça me va. Est-ce que c'est bien le bon hammer que j'ai? Je sais pas si ça va le faire. Les camps, c'est en normal à mer, c'est pas en long. Bon, on verra bien. Comme je le dis, lui, je vais pas m'acharner trop longtemps. Ce sera Rizati, je vois que ça va pas. Bon, la question, c'est de savoir où il est. Il doit pas être très loin. Ah. Et merde. Ça c'était évident. Bon. Bon, lui, je sais, normalement, il tourne en 3 zones. Et il dort en 3, il me semble. Je crois même pas qu'il dort. J'ai pas lâché, on dira rien.
Y a pas le combo avec. Attends, y a pas ce combo en Storm avec le hammer déjà? J'ai eu un putain de balle là. Heureusement qu'il m'a touché. Merde, il me semblait que le timing était beaucoup plus long que ça. Putain! Roulade, please. Ah bah c'est ça, ouais, bon, sauf que si je suis pas encore corps, ça sert à rien. Ok, c'est juste à la deuxième charge, enfin première charge. Deuxième. Ok, c'est au deuxième flash qu'il faut le faire, c'est juste. Ce monstre aussi, si tu restes tout le temps sur place quand il y a la météo comme ça, ça te congèle et après, non, ça va, ça te fait le congélateur. C'est aussi le monstre qui a un petit peu niqué le jeu sur PS Vita. Sur PS Vita, ce monstre, c'était un cauchemar parce que le jeu, il dropait genre à Drakengard 3 framerate. C'était juste enviable. Bah heureusement qu'il me touche finalement. Peut-être mieux que je me mange le final de cette attaque. Voilà.
Faut vite. Mais putain! Famille. Bon, moi, ce monstre en high rank est beaucoup moins punitif qu'en G rank. Enfin, comme la plupart des monstres. Mais non, mais non. Oui. Oui. J'ai absolument plus les timings pour éviter le combo au sol. Oui. Puis maintenant, faut tout remonter. Yay. Voilà. Une max potion. Bon, côté potion, ça va, je suis encore tranquille. Stand, please. Putain, mais je déteste quand il fait ça, c'est tellement hard à télégraphe. S'il va le faire ça ou son cri normal.
Il est. Ouais, je sais. Je trouve ce monstre tellement plus intéressant à fight que. Comment il s'appelle? Merde, Velkana en fait. Je sais pas, Velkana, je l'aime pas du tout comme monstre de glace. Je préfère amplement ce monstre. Ah oui, c'est le monstre, faut bouffer deux hot drinks si quand tu prends son Ice Blight. Je déteste quand il fait ça. C'est tellement relou à éviter. T'as la deuxième charge là. Voilà, je l'ai enfin esquivé. Tu sais, il faut que je me rappelle du timing exact. Aussi. Voilà, je vois le truc au sol.
Merde! Je pensais que j'étais hors du champ de cette attaque. En fait, pour éviter ça, faut vraiment... Merde, là sur le dernier... En fait, pour éviter ça, le mieux, c'est de regarder ce que fait le monstre, mais il faut vachement décaler par rapport au troisième, c'est ce qu'il faut le plus. Et là aussi, il faut regarder l'animation du monstre, à part quand t'es dans cette putain de glace. C'est un monstre qui est vachement cool à fight dès que t'as tous les timings pour éviter ces trucs. Parce que là, j'ai assez perdu. Merde! Ah non, c'est bon, c'est bon. Je pense que j'étais dehors du champ de l'attaque, là. Et merde! Le monstre, là, commence à gentiment me revenir. Et merde! Je crois que le seul truc qu'il a pas fait par rapport au gérant, c'est son bouclier de sa zone de glace là où il se protège derrière. Et avoir un long marteau aussi aide bien contre lui. C'est un peu tendu avec ce marteau parce qu'il a une très quasiment. Pas dans l'ombre. Yay! Bon bah ça a encore été. Je me suis rappelé un peu tard du timing exact, mais ça a été. J'aime bien ce monstre. On va voir l'urgente maintenant. Je pense que c'est la tortue. Tortank. Je vois si je peux crafter une de ses armes par hasard ou quelque chose chez lui. On sait jamais, ce serait pas du luxe. Son skill, en fait, le skill qui vient de ce monstre, c'est l'inverse du skill de Vel'Kana dans World. Plus tu tapes, plus tu feras des dégâts. Ah, il faut que j'aille regarder les skills du Hulk. Voir si je peux en débloquer 2-3. Ça prend 30 secondes. Sauf que je sais plus exactement quel menu c'est à avoir. Je sens le Hulk maintenant. Des fois, le Hulk peut aider, il peut te soigner ou bien te sortir d'un stun, etc. J'adorerais voir les Hulks dans le Man 9. C'est un peu l'identique des chats, sauf que la plupart, 90% du temps, le monstre sera jamais dessus. D'ailleurs, j'ai toujours pas utilisé les chats ni les partenaires. On verra partir du Gérant. Ah,
Il vous me donnait quelque chose, je sais pas ce que c'est. C'est où? Ici? Ah oui, ça. Ah non, ça a sifflé, je pense, parce que j'ai eu l'urgent quest. Partner. Y a pas le truc par terre qui brille, la Hulk potion. Normalement, il y en a toujours une. Ils ont enlevé ça. Alors. Là, je vais lui donner. Elle vous fait un truc. Je vais lui donner du dragon. Bon, tiens, Elder Dragon Top Wing. C'est une fois que normalement que t'as fini, quand t'as eu le. Quand ouais, globalement, si c'est en fait quand t'as fait évoluer ton Pokémon, t'as plus besoin de t'occuper pour la bouffe et tout ça. Alors, normalement, c'est lui. Ah, voilà. Là. Bon, par contre, ça dit pas. Monster Spotter, ça va indiquer où se trouve le monstre à certains moments. Est-ce que je pourrais apprendre des skills? Et Burn My Burn Fant, je fais plus de dégâts. Enfin, le machin m'a fait plus de dégâts contre le. Et puis là, tu peux entraîner ton Pokémon. Je vais le traîner sur l'IA. Je peux le nommer comme je veux. Voilà. C'est une mécanique qui est cool. Oh, si c'est Audi, si c'est Audi. Non, je pense que c'est Audi. Audi, Audi TT. Urgente. Ouais, Audi. Est-ce que ça le repelle ou le kill? Condition. Ah, il faut que je prenne des cool drinks. Hot drink. Condition. Je sais pas si ça le repelle ou le tuer. Lui, je le fais pas au Hammer. Enfin, ce serait bien, mais pas avec un Hammer de distance normale. Enfin, de longueur normale. Long sword. Lance, il y aurait bien. Faudrait que je me rappelle exactement du timing. Et il me faudrait garde plus 2 pour être à l'aise. Parce que garde plus 2 donne garde up. Peut-être que je peux faire un truc. SNS, ce serait pas dégueulasse. Non. Bon, Dual Sword, non. Grid Sword, ça passerait bien, mais. Non. Quoique Grid. Non, je suis trop nul à la Grid Sword pour tenter avec. Ah merde, non. Hunting Horn, non. Gun Lance, ça passerait, mais il me faudrait garde plus 2. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire en 7, là. Ça va prendre 10 minutes. Du coup, je le fais à la longue sword. Je l'ai jamais fait à la longue sword ce monstre, donc on verra ce que ça donne. Ouais, j'ai repris des items. Ouais. Je pourrais retenter Inagami avant de refaire l'urgente. Non, Inagami, je le ferai en gérant. Peut-être tenter en exotique aussi, pourquoi pas. J'ai envie de dire. Bon. On verra plus tard. Oh non, il est en hardcore. Alors là, c'est fourbe par contre. C'est pas normal. J'espère que ce soit le repel. J'espère vraiment qu'il soit le repel et pas le tuer. Ça serait bien. Ce serait vraiment pas du luxe.
Bon, lui, je sais pas ce que ça va donner à la longue sword. Normalement, je fais lance, gun lance, tonfa. Amer, mais long. J'ai hâte de rejouer au Tonfa d'ailleurs. Ok, ça c'est vraiment le seul truc qu'il a de très dangereux. Je prends pas le risque là sans me rappeler du timing exact pour éviter ça. Ça fait ultra mal si tu restes à côté de lui, si tu te manges ça. Et il a une deuxième attaque qui fait ultra mal, mais j'ai pas ce qu'on veut dire qu'il faut faire exprès de se la manger quand il utilise son canon. Voilà, ça c'est le deuxième truc qu'il a de vraiment dangereux. Mais il faut vraiment y aller pour se faire toucher par ça. Bon, ça, lui, je me rappelle vachement bien de ce monstre. En même temps, je l'avais farmé. C'est normal que ma vie remonte là. C'est en effet de mon armure. Sur les monstres de type hardcore, j'ai un auto-regain de vie. Oups. Et ça, ça fait pas très mal. Le seul défaut, c'est que... il faut garde plus de... Bon. Garde ne sert à rien. Enfin, garde ne servira à la longue sword une fois que... Oui, garde à la longue sword, ça va servir. Mais il faut que j'ai le style que je débloque en G-Rank. D'ailleurs, je sais même pas si je vais débloquer le style extrême dès le début du G-Rank. Ou s'il va falloir quand même que je rank jusqu'à GR passer 200. J'ignore complètement. Par contre, une fois que je serai G-Rank, je sais pas trop comment je vais faire pour le let's play. Hein. Parce que ça va changer. Ce sera plus la classique, ce sera vraiment... la progression sera vraiment washer up. Je pense que je ferai une session où je dois farm genre... Ouais, on te garde donc sur un treu. Putain, je me souviens... C'était plutôt sur Tri quand il y avait des gens qui arrivaient avec... Yep, ça rage. C'était plutôt sur Tri les gens avec la longue sword d'autogarde. Puis je vais aiguiser mon arme aussi. Aiguiser, c'est utile. Je pense que lui, c'est un des monstres que j'aimerais le plus voir arriver dans le mainline.
Il est typé à Cantor comme Bula, sauf qu'il est bien plus intéressant à fight. Son OST est bien mieux aussi. Yep, ce serait tellement con. Oh putain, j'ai le knife attack. Ok, paralysie, ça veut dire qu'il s'est pris de thunder. Le paralysie dure toujours 8 secondes. Avec ce, cet effet. Roll dedans l'attaque. J'hésite à mettre en ligne ce soir l'épisode 3 ou est-ce que j'attends demain? Je sais pas. Visage. Oh bah il était... C'était le repel. Oh mais ça va, c'est... Bon lui je le connais bien donc ça a été... Ouais c'est le repel. Yay. Bon, j'ai juste setup l'épisode 3 au cas où, juste nommer la vidéo et tout ça. Je sais même pas si elle a été rendue. Voilà, je le mets en ligne ce soir. Je le mets juste maintenant. Non, l'épisode 2, qu'est-ce que je dis, le 3, le 2. Je vais juste faire ça maintenant. Hop. 2. Attends, c'est le 2, putain, moi je me suis embrouillé là. Oui, parce que le 0, je fais le personnage. Copier-coller les tags. Je ne sais absolument pas quoi mettre comme description. Ah, peut-être. Bon,
suprématie, blablabla. Attends, pour le... Oh, il y a encore des nouveaux trucs. Tu veux pas me dire que j'ai upgradé cette armure pour rien, non. Ah non, là tu me fais pas ça, le jeu, please. On va aller voir ce qu'il donne. Non, game, please, me fais pas ce coup-là. Please. Ouais, comment la liste que j'aurai en HR6? La liste des urgentes que j'aurai à faire. Take une... Non, ça c'est... Non. Une homme Dracian. Oh non. Ok. Je vais devoir me taper le cancer de MH. Je pense que cette merde, c'est... Ouais, c'est, je pense, le pire truc que Capcom ait pu inventer comme monstre. Oh putain. Audi, il va falloir que je le refasse, mais ce sera en kill cette fois. Paria Puya. Oh non. Tristy Paria. Oh non. Bon. Suprématie Théo. Il y a deux fois Racian. Ah oui, il y a un, c'est Repel et il y a Kill. Et ça, c'est qui déjà? Oh non, ça va être Golden Silver. Ouais, ça c'est Gold. Oh non, je vais devoir le faire deux fois. Bon, on va faire simple. Le HR6, j'espère qu'ils ont un tout petit peu nerfé les monstres pour la progression, parce que sinon, je suis dans la merde. Les suprématies, je les ai trouvés beaucoup plus durs que le contenu G-Rank. G-Rank au niveau 7 étoiles. Ouais, j'espère qu'ils les ont nerfés. Bon, on va aller voir ce qu'il donne à l'entrée. Parce que sinon, ça va être le gros lol. Bon, qu'est-ce qu'ils ont donné? J'hésiterais peut-être pas à utiliser les Hulk Pots. Une thème qui réduit les dégâts de 50%. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? 34. Mais je m'en fous de l'argent, j'en ai assez. Ah. Encore un truc. Ah, ça c'est hein, des piercings, c'est des hâtes normalement. Ouais, ça c'est des hâtes, si je me trompe pas. Je vais juste regarder sur le site, voir s'il y a autre chose à foutre. Parce que là, je sais qu'il va y avoir un énorme pic de difficulté. Il y en avait déjà eu un quand je suis passé à HR5. Mais là, si les suprématies sont pas nerfées, ça va être la merde. Ça va vraiment être la merde. Il n'y a pas d'urgente à HR6. Il y aura directement l'urgente pour passer G-Rank. Juste regarder les ads qu'ils m'ont donné. Ouais. J'ai combien d'Alec Pots au cas où? Parce qu'ils ont pas nerfé... C'est moi ou... Ah, il y a un truc là. Je m'en fous. S'ils ont pas nerfé, je suis vraiment dans le caca. Enfin, c'est surtout le silver... c'est surtout Dora. Ouais, 160. Ils t'en donnent à l'appel, je pense. Juste pour les quêtes HR6. Ah merde, le hat. C'est ici que tu l'as. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Alors, expert sharpening recoil, handicraft statue arena, statue attack loading, fate. Ouais, empire. C'est comme, en fait, c'est les tempérades, mais je dirais empire. Oh putain, il est pas mal ce casque. Airplug, windpress et gunnery. All reserve, celui-là est pas dégueulasse. Oh, celui-là est bien. Expert évasion stamina, directement évade plus 2. Attaque, Dragon Rest, Dragon Attack. Putain, il est bien ce casque. Attends, Perless, sûrement. Qu'est-ce qu'il me donne Perless? Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui...
Attends, Perles, faut juste que je vérifie si c'est bien ce que je pense. J'ai un doute sur le skill. Pourquoi elle est pas là? Ah non, il y a deux E. Pirelles. Alors, diminution du stamina de moins 50%. Ah mais Pirelles, c'est ouais, c'est stamina en fait. C'est constitution, je crois, dans World. Du coup, ce casque est pas dégueulasse du tout. Je vais voir si je peux upgrader. Je veux juste refaire mes décorations. Oui, Idan. Yay, pas d'armor sphère. Bon, on restera avec ça pour le moment parce que je vais pas pouvoir faire grand chose. Je suis très limité côté décoration, donc maintenant il faut que je retrouve le bon casque. Je trierai mon armure quand je serai en... Je trierai mon armure quand je serai en gérant. Hein. Il faudrait que je fasse en 7. Bon. Je vais pas... Ouais, juste couper là le record.